que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous avais dit donc dans un précédent vlog que j'allais donc du coup reprendre les produits terminés parce que c'est vrai que c'est quand même des vidéos qui fonctionnent bien et qui plaisent et ça permet du coup de donner son avis sur les produits, si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Donc là j'ai pas mal de produits, donc j'ai deux boîtes, d'habitude j'ai qu'une une petite boîte où je mets ça dedans mais là avec le déménagement, enfin on a amassé beaucoup de produits, donc j'ai voulu vous proposer à nouveau ça parce que je me suis dit voilà, chaîne famille, donc on utilise forcément des produits pour enfants, pour adultes, etc. Donc ça concerne voilà la famille en général. Donc du coup, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos produits terminés, donc moi comment je fonctionne, je montre le produit, je donne mon avis si je rachète ou pas et voilà tout simplement. Donc il y a des produits que vous connaissez certainement déjà pour ceux qui me suivent depuis le début, mais voilà, si vraiment je retombe sur ce genre de produit, voilà, je vous donnerai quand même mon avis pour les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. D'ailleurs, du coup, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas du coup à le faire, ça me ferait très plaisir. Voilà, merci encore pour les personnes qui se sont abonnées récemment. La communauté s'agrandit de plus en plus, donc vraiment, merci, merci beaucoup. Voilà, donc je vais arrêter avec ce blabla là et du coup on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc je vais commencer avec le plus petit, donc là il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Hop, ça je vais le garder dans les mains, donc déjà hop, il y a celui-ci. Alors du coup, je vais mettre ça sur mes jambes. Donc je pioche le premier produit, donc c'est hop, ce produit là. Donc ce sont ce qu'on appelle des wraps qu'on vient mettre du coup sur certaines zones de notre corps pour raffermir. Donc c'est de la marque It's Warm, donc je pense que vous connaissez, hein, il y en a beaucoup qui vendent ce genre de choses maintenant. Donc voilà, comme je vous disais, ce sont des wraps, oui, pour le remodelage du corps. Donc comme vous le savez ou peut-être pas, donc j'ai 3 enfants et du coup forcément avec les grossesses, le corps s'est un petit peu donc déformé, la peau est devenue un petit peu plus flasque, etc. Donc du coup voilà, j'ai envie de remodeler tout ça. Et en plus je suis dans une perte de poids, donc voilà, ça tombe parfaitement dedans. Donc là-dedans vous avez en fait du coup 4 wraps et c'est ma cousine en fait qui était donc du coup pas ambassadrice mais vendeuse chez eux, donc elle ne travaille plus pour eux, mais du coup voilà, c'est avec elle que j'ai eu ça et franchement je rachète à chaque fois parce que je vois vraiment de l'évolution, même au niveau des vergetures que j'avais donc durant mes grossesses, elles se sont vachement atténuées, ma peau commence bien à se relisser, etc. Donc à racheter, oui, bien entendu, surtout qu'en plus je suis, comme je vous ai dit, dans la période de perte de poids, donc voilà. Donc je pioche vraiment comme ça me vient parce que c'est tellement plein que voilà. Alors ensuite, du coup on va passer à un shampoing déjaunisseur, donc de la marque De Sange, Age Sublime Blanc Chic. Hop, comme ceci. Voilà, s'il veut bien faire le focus. Voilà, donc c'est ce produit. Donc du coup, bah pour mon blond, parce que vu que moi j'ai un blond blanc, voilà, donc franchement il est top top top. J'en avais 2, donc je pense qu'il... Alors soit il y en a qu'un ou soit il y a les 2, je ne sais pas. Je sais que j'en avais acheté 2 comme ça, c'était un lot de 2 que j'avais pris, je crois... Où est-ce que c'était? Alors est-ce que c'était dans l'ancienne maison? Je ne sais plus, il y avait un lot de 2 en tout cas, c'était une promo. Donc franchement à racheter, oui bien entendu, il est vraiment génial, c'était un 250 ml. Franchement au top parce que du coup j'arrive vraiment à garder ce blond blanc. Voilà, donc là bon ça a repoussé parce que je suis pas repassée chez le coiffeur. Mais franchement oui à racheter parce que je peux vraiment vous le conseiller. Si vous avez du coup soit des mèches blondes ou carrément une coloration blonde, enfin voilà, je peux vraiment vous le conseiller pour garder le blond voire le blanc nickel. Ensuite alors du coup je prends ce qu'il y a là. Donc les enfants ont terminé les Doliprane Liquids. Donc enfant de 11 à 25 kg, donc c'était vous savez les petites dosettes, donc hop comme ça, voilà, hop. Donc ça vous connaissez hein, donc bah à racheter bien entendu, oui ça sert toujours. Donc les enfants et nous aussi hein, on a terminé donc les lingettes, donc les Eco Plus, les 72 lingettes épaisses bébé, donc celle-ci. Voilà, ça c'est terminé. Et on a terminé également donc les lingettes épaisses de la marque Belle France. Voilà.
Donc celle-ci, c'est celle qu'on avait achetée donc au Leclerc. Et celle-ci, c'était la petite supérette qu'il y avait en bas de chez nous, là où on habitait avant. À racheter, bien entendu, bah, peut-être pas celle-là, parce que bon, maintenant qu'on fait les courses au Super U, c'est différent. Mais du coup, oui, à racheter, bien entendu. Toujours de la marque Doliprane, mais cette fois-ci, c'est en, vous savez, en petite pipette. Je suis désolée, j'ai un peu le nez qui coule. En petite pipette, donc voilà. À racheter, bien entendu, hein, ça... C'est pareil, c'est un indispensable dans la famille. Alors ensuite, donc, j'ai terminé toujours donc de la marque It's Work, donc, qui va avec les wraps. Donc ce sont en fait des petites gélules, des compléments du coup alimentaires. Pardon, pour aider du coup à la perte de poids, donc que je prends deux fois par jour, donc matin et midi, ou des fois matin et soir, mais ça dépend. Parce que c'est à base de caféine, donc voilà, ça peut... Ça peut potentiellement empêcher de dormir le soir, donc j'évite quand je peux essayer de le prendre matin et midi, c'est mieux. Donc ça se présente comme ça, voilà. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Focus, focus, il a du mal à se faire. Hein. Voilà. Ah donc du coup franchement je rachète à chaque fois, ça c'est génial. Ça m'aide vraiment, ça évite que je grignote et tout ça, enfin... Franchement oui, à racheter au top. Si vraiment vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire, une perte de poids, etc. Je peux vraiment vous conseiller ça. Donc du coup, je sais pas si je peux essayer de vous trouver quelqu'un d'autre qui les vend. Parce que comme je vous dis, vu que ma petite cousine ne le fait plus. Donc je sais pas, j'essaierai de voir et je mettrai ça du coup dans la description. Ensuite, donc toujours dans la gamme cheveux, donc j'ai fini... Le L'Oréal Paris Elsève Color Vif démêlant soin, élixir de lin, filtre UVA, UVB, concentré nutritif, protège et prolonge la couleur, cheveux colorés ou méchés. Donc ça c'était un 250 ml et du coup ça c'est le soin démêlant quoi, enfin l'après-shampoing en quelque sorte. Hop, voilà, donc j'ai pas fini le shampoing, donc du coup là il est encore dans la salle de bain. Les après-shampoings c'est vrai que ça part un peu plus vite, donc voilà, bah, franchement... Très bien, après j'ai rien d'autre à dire de spécial. Au niveau du démêlage, super bien. Au niveau du soin, pareil. Donc voilà, j'ai voulu tester, j'ai d'autres gammes. Donc à racheter, bah ouais, pourquoi pas à l'occasion. Donc voilà, très très bien, je peux également vous le conseiller. Ensuite, donc du coup, ça vous allez dire, mais pourquoi elle a fini ce genre de choses alors qu'on est en plein hiver. Donc du coup, ça c'est quoi? C'est un spray, donc du coup, donc de la marque La Roche-Posay. C'est un soin protecteur solaire quoi, indice 50+, hop, donc il se présente comme ça. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle a ça dans ses produits terminés? Parce que du coup, bah, quand on a déménagé, quand on est arrivé ici, bah, j'avais tous mes produits, hein, et j'ai fait un grand tri, et j'ai regardé du coup tout ce qui était périmé, les dates, etc. Donc voilà, ça, ça en faisait partie, vu qu'on n'est pas parti en vacances l'année dernière, donc forcément, bon bah, il n'a pas été utilisé. Voilà, donc je vous rassure, il n'était pas entier, hein, il n'en restait presque pas dedans, mais bon, il a fallu le jeter. À racheter, oui, franchement, celui-là était vraiment bien, si je peux essayer de le retrouver, ouais, à racheter. Voilà pour ça, rien d'autre à dire. Ensuite, donc, ça c'est pareil, c'était resté dans les placards, on avait commencé à l'entamer, mais... Voilà, elle sentait pas ni rien, mais bon, je préfère pas quand c'est comme ça. Après, on me dit oui, sinon tu peux utiliser pour les pieds et tout. Mais bon, je préférais, voilà. Donc, alors, ça c'est quoi? C'était la Dermaspa, donc de la marque Dove Nutri Intense Crème Corps Hydratante. Hop, donc c'était celle-ci. Donc, ça c'est pareil. À racheter, non, parce que j'utilise pas cette marque. Enfin, je sais plus, je crois que j'avais dû l'avoir dans un swap ou je sais plus, ça faisait déjà un moment que je l'avais, elle était dans mes placards, elle traînait. Je l'utilisais du coup lorsque je rasais mes jambes, du coup, après pour hydrater la peau. Donc, oui, elle était très bien, elle hydratait bien, etc. Mais non, j'ai plein d'autres crèmes à finir du coup dans le placard, donc à racheter, pas du tout. Ensuite, donc, du coup, on va passer à un produit visage, donc de la marque Nutrimetics, c'est la Clear. Spray matifiant visage au complexe phytoactif de gingembre. Du coup c'était pour le chéri parce que vu que lui il a encore des imperfections, il a encore des boutons etc. Voilà, donc il avait utilisé ce produit là mais vu qu'il avait ouvert depuis un petit moment, il en restait un peu et je lui ai dit je préfère pas que tu l'utilises parce qu'on sait jamais, ça peut être pire. Mais sinon oui, il l'avait trouvé vraiment top. Donc ça c'était les produits que moi je vendais quand je travaillais donc du coup chez Nutrimetics. Mais du coup maintenant je ne travaille plus chez eux. Donc à racheter, non pas du tout. On partira du coup sur un autre produit si vraiment il en a besoin. Mais sinon oui, il était très très bien.
Ensuite, donc, on va passer à un produit douche. Donc, c'est le Tahiti Coco Nourrissant. Il y avait 300 ml. Voilà. Celui-là, il est très très connu. Hein. Voilà, pas besoin de chercher plus loin. Donc, à racheter, oui, bien sûr. Hein. Après, comme vous le savez, les personnes qui nous suivent depuis un petit moment, on aime beaucoup changer au niveau des gels douche. Donc, là, il y avait celui-là. Mais après, dans le placard, on en a beaucoup d'autres. Mais à racheter, oui, celui-là, c'est vraiment une valeur sûre. Surtout Tahiti, c'est une très très bonne marque. Donc, franchement, oui, bien entendu, j'adore et je rachèterai. Ensuite, donc, j'ai terminé. Il n'y a pas tellement de make-up en général. Hein. C'est plus des produits. J'ai terminé, donc, un... comment ça s'appelle, un fond de teint en poudre, donc de la marque Givenchy, donc que j'avais depuis un petit moment. Hop, donc c'était celui-là. Donc il est terminé, hein. Là voilà, j'ai gratté jusqu'au fond, il n'y a plus rien à faire. Donc il était très très bien, mais à racheter non, pas du tout, parce que c'est pas le genre de marque dans lequel je vais taper en général, c'est un peu cher. Je l'avais eu dans un swap il y a très 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 longtemps, donc voilà, c'était un échange de swap, mais à racheter non, pas spécialement, donc voilà. Donc du coup on arrive à la fin pour le premier petit panier. Donc là qu'est-ce que c'est? C'est un mascara donc de la marque Yves Rocher, c'était le volume Elixir, donc c'était celui-là. Alors il était très très bien à racheter, pas spécialement parce que j'aime bien tester plein de mascaras différents. Mais à l'occasion peut-être, si vraiment j'en ai l'occasion. Mais j'ai plein d'autres mascaras du coup qui sont déjà entamés. Donc à racheter peut-être pas, mais sinon il était quand même pas mal. C'est fini pour celui-là, on va passer du coup au deuxième. Ah comme je vous l'ai dit, il y en a des produits. Hein. Donc là on passe du coup au deuxième qui est plus gros. Voilà, donc allez, c'est parti, je prends au fur et à mesure, comme ça me vient. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Donc c'est le produit pour les toutous, donc c'est le Vito Canin, non Vito Canis pardon, ou Canis, je ne sais pas. C'est un shampoing donc anti-odeur, élimine durablement les odeurs, parabènes 0, alors 0 parabènes 0 silicone. C'était au probiotique, voilà, donc il y avait combien, 300 ml, hop, donc ça, ça a été acheté au Leclerc je crois, mais je crois qu'on peut trouver aussi au Super U. Franchement il est top top top, si vous avez donc du coup des chiens, franchement celui-là il est génial, en plus il dure super longtemps, il sent super bon, il laisse une petite odeur un peu mentholée et franchement il est top, donc à racheter oui bien entendu. Donc là j'en ai un autre parce que entre deux j'en avais racheté un autre, mais pas de cette gamme là bien sûr. Mais franchement une fois que l'autre sera terminé, je repartirai sur celui-là parce que déjà au niveau rapport qualité prix, franchement il y a ce qu'il faut et ça dure vraiment très très longtemps et il est vraiment au top, donc à racheter bien entendu. Ensuite donc encore un produit douche et cette fois-ci c'est un produit de la marque U que j'ai acheté pour le chéri, le gel douche addict 3 en 1 visage, corps et cheveux. Je sais plus ce qu'il y avait comme parfum, mais il sentait très très bon. 250 ml, donc hop, celui-là. Donc le chéri, bah, il a adoré. Hein. Franchement, il n'est pas compliqué au niveau des gels douches. Donc à racheter peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on a fait le stock des gels douches, donc il n'y a pas besoin. Là, j'ai un shampoing doux, donc miel et épices de la marque Biotalis Cosmétique. Il y avait combien 150 ml. Hop, donc celui-ci, je l'avais eu du coup dans une... Beautiful Box je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Alors je l'ai utilisé mais sur mes cheveux ça n'a pas du tout, enfin ça l'a pas fait. Il a asséché mes cheveux. Donc certes il lavait bien, il faisait son job de base, laver, mais il les a asséchés, donc du coup je les ai utilisés sur les enfants. Et apparemment eux ça n'a pas asséché leurs cheveux. Donc je pense que c'est parce que moi j'ai une décolo, donc forcément bah, les cheveux ils ont pas trop aimé. Mais à racheter, bah non du coup, parce que non, pas plus que ça. Donc il était bien, il sentait bon, mais sans plus quoi. Ensuite donc, alors ici on a quoi? Donc un produit cheveux, donc c'est un soin cheveux à l'aloe vera hydratant et démêlant sans rinçage de la marque Sanoléo. Sanoléo France, voilà, dermocosmétique naturel. Donc c'était un petit spray comme ceci que j'ai utilisé donc sur mes cheveux et les cheveux à Maëlie. Et franchement c'était génial, ça démêlait super bien, ça laissait les cheveux tout doux et tout. Donc à racheter peut-être pas parce que comme je vous dis j'ai encore plein de produits. Mais à l'occasion pourquoi pas, voilà. Mais franchement il était vraiment top. Et donc du coup on va repartir sur un produit solaire.
Donc là c'était ce qu'il y avait avec le produit solaire, donc c'était l'après-soleil, le rafraîchissant de la Roche-Posay, voilà, de la Roche-Posay hein, tout simplement. Il y avait 100 ml à l'intérieur et c'est vrai que celui-là était génial. Par contre celui-là on l'a utilisé jusqu'au bout pour rafraîchir, c'est vrai, après les coups de soleil ou quoi, franchement génial. Donc à racheter bien entendu à l'occasion. Ensuite, donc, du coup, là, on a encore un produit cheveux, donc de la marque Biolage. C'est un conditionneur soin revitalisant pour cheveux secs et abîmés. Donc, c'était l'huile d'argan, je crois, quelque chose comme ça. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, je sais pas trop de quel côté mettre. Hop, donc ça je l'avais eu chez ma coiffeuse, donc là où on habitait avant, et franchement au top du top. Ce genre de produit je l'avais pris, c'était un 200 ml. Je l'avais pris parce que bah, quand j'avais fait ma décolo, franchement ça abîme les cheveux, donc voilà, il me fallait quelque chose pour bien réhydrater. Et il était super génial. Par contre ce que j'avais remarqué c'est que si j'en mettais un petit peu trop près au niveau de la racine, ça graissait quand même le cheveu, donc il fallait vraiment rester sur les longueurs et les pointes. Mais franchement si je peux le retrouver à l'occasion, je le rachèterai bien entendu. Encore partir sur des gels douche. Donc là c'est un gel douche de la marque Cadalys, gel douche gourmand à la banane et à l'aloe vera, un 100 ml. Et franchement celui-là, waouh waouh waouh, comment il sentait super bon. Je sais pas trop où est-ce que je peux vous montrer parce que des fois ça, voilà. Et c'était un 100 ml, oui, je sais pas si je l'ai déjà dit. Franchement, il sentait super bon, les enfants, ils ont kiffé. Je l'ai eu du coup dans la Beautiful Box, donc si je peux essayer de le retrouver, franchement, ouais, pourquoi pas, parce que vraiment, après ils disent que c'est une édition limitée, donc je sais pas si je pourrais le retrouver. Mais franchement, il était vraiment top sous la douche, il sentait super bon, donc à l'occasion à racheter, ouais, pourquoi pas. Donc on a terminé hop, ceci, donc ce sont des mouchoirs, vous savez les mouchoirs on tire comme ça. Donc oui bon, après ça reste des mouchoirs, il y en avait combien à l'intérieur? Il y avait 110 mouchoirs, voilà, donc à racheter à chaque fois, oui on rachète, on en a toujours un petit bloc comme ça posé sur le meuble de la cuisine, comme ça dès qu'on a besoin de se moucher, même voilà c'est à disposition pour les enfants. Donc oui bien entendu à racheter. Donc là c'est le Dope shampoing très doux aux œufs. Tout type de cheveux fortifie et protège, le format familial. Hop, comme ceci. Et du coup là il y avait 500 ml. Donc ça j'avais pris ce format là pour les enfants du coup. Comme ça on a été tranquille pendant un bon moment. Je rachète à chaque fois celui-là parce qu'il est vraiment top. Et apparemment, donc voilà, j'ai entendu dire ça, que apparemment les œufs, donc les shampoings aux œufs, ça repousse tout ce qui est poux. Donc voilà. C'est vrai que moi j'ai pas eu à me plaindre. Depuis que les enfants vont à l'école, ils n'ont pas attrapé de poux. Donc, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire que oui, apparemment, les shampoings aux œufs, ça pourrait être un répulsif pour les poux. Donc, voilà, s'il y a des parents qui passent par là, essayez ça. Et puis peut-être que, bah, par miracle, vos enfants, s'ils ont attrapé des poux, n'en auront plus. Je ne sais pas. Redites-moi ça, du coup, dans les commentaires, les personnes, qui auraient testé ce shampoing et qui... Enfin, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ça dans les commentaires si vous pensez que d'après vous les œufs ça peut repousser les poux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir. Voilà. Donc en tout cas oui, une valeur sûre pour nous et on rachète à chaque fois. Ah là je peux vous dire que ça va dépoter niveau gel douche. Là ça va y aller. Donc du coup, alors on s'était fait plaisir, on avait acheté toute une gamme, vous savez les Dope douceur d'enfance comme ça. Donc là vous allez en voir pas mal. Alors on avait pris donc le Dope douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Dragibus. Donc c'était un 250 ml. Franchement nickel, à racheter, on a kiffé. On avait pris donc du coup toujours dans les Dope douceur d'enfance au parfum Cookie. Ah comme ceci. Franchement, oh celui-là, il a embaumé la salle de bain. On en a encore un qui reste sur la baignoire. Et franchement, à racheter parce que ils sont pas spécialement donnés, mais ils sont super, super efficaces au niveau de la douceur de la peau et tout ça. Et même le parfum, c'est... Franchement, si vous aimez les parfums gourmands, et même pour les enfants, ils aiment bien du coup. Voilà, ça leur... Ils sont contents avec ça, donc quand je leur mets ça dans le bain, ça fait pas mal de mousse et tout ça. Donc voilà, franchement, au top et à racheter. On continue du coup dans la gamme Dope douceur d'enfance et on avait pris également au parfum Carambar Caramel. Donc ça c'est pareil, ça embaume la salle de bain, c'est à racheter bien entendu. Ensuite, encore du coup dans la gamme Dope douceur d'enfance, on avait pris à la Barbapapa.
Alors celui-là, il sentait très très bon, mais était assez écœurant quand même. Donc je rachèterais peut-être pas celui-là, la barbe à papa, parce que je l'ai trouvé quand même assez écœurant. Mais dans l'ensemble, il sentait bon et enfin voilà. Donc là, c'était un shampoing douche 2 en 1, lait fraise, donc de la marque Matelou, donc de chez U. Celui-ci. Alors celui-là, au top, il sentait super bon. Maëlie, elle a trop aimé. C'était un 250 ml aussi, donc à racheter, oui, bien entendu. Voilà, à l'occasion. Mais bon, comme je vous ai dit, nous on aime bien changer. Donc, mais si j'en ai l'occasion, oui, bien entendu. Ensuite, donc on va passer à un produit pour les mains. Donc c'est un gel lavant hypoallergénique à l'extrait d'aloe vera, peau sensible et délicate, de la marque Manava, donc la marque de chez Leclerc. Donc c'est celle-ci. Hop. Franchement, il nous a duré super longtemps. Il sentait super bon. Il laissait les mains très très douces. Donc bah, on rachètera peut-être pas celui-là parce que vu que là on n'a pas de Leclerc à côté et que c'est Super U et Lidl, donc forcément voilà. Mais à l'occasion, oui, pourquoi pas. Ensuite, donc on va passer à ce produit. Donc du coup, avant que ça coupe, parce que j'avais plus de place sur la carte SD, j'allais vous parler donc de ce produit, donc de la marque Mercurochrome, donc des pansements pour enlever les cors. Alors, comment vous expliquer? Au tout début, Enzo, on pensait qu'il avait un cor. Donc du coup, j'avais acheté des pansements. Donc, hop, je vous montre comme ceci, voilà. Et on voyait qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça changeait toujours rien. On s'est dit bon, c'est bizarre. Et finalement, en regardant bien, en fait, sous son pied, j'ai dit ouh, ça ressemble pas à un corps. Parce qu'après, j'ai été voir donc du coup sur Google et je me suis dit ouh, ça ressemble pas du tout à un corps. Ça faisait comme des petits points noirs à l'intérieur et tout. Je me suis dit c'est bizarre. Et je me suis dit bon, ce serait peut-être une verrue. Enfin, je sais pas. J'ai tapé verrue et finalement, c'est une verrue qu'il a. Donc du coup, ça m'avait coûté un bras, mais bon. C'est pas grave. Donc finalement, bah, je pourrais pas vous dire si c'est efficace ou quoi parce que c'était pas un corps qu'il avait. Donc à racheter si un jour on a des corps bien sûr, mais sinon bah non. Voilà, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires pour ceux et celles qui ont utilisé ce genre de produit si c'est efficace ou pas. Parce que du coup bah moi je pourrais pas vous en dire plus. Ensuite donc de la marque Spa, c'était un body butter, donc un beurre corporel. Un 50 ml que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, je crois. Je ne sais plus. Ça date de il y a l'année dernière, je crois. Pas cette année, enfin pas l'année là qui est passée, mais l'autre d'avant, je crois. Je sais plus. Hop, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Alors il était bien, oui. Après, à racheter, non, parce que moi je suis pas forcément. Je mets pas beaucoup de crème pour le corps, beurre corporel, enfin j'en mets un peu de temps en temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas spécialement la chose que je fais le plus. C'est vraiment plus le visage que je viens hydrater, donc à racheter, non, pas spécialement. Prochain produit, donc ce sont des vitamines C à croquer, donc de la marque Vitharmonil Laboratoire. Ça se présente comme ça, et du coup, très très bien, franchement, une petite vitamine comme ça, voilà, quand il fait du temps, il fait frais, tout ça pour vraiment pour se requinquer. On arrive du coup au dernier produit, donc qui est un petit peu pris cher. C'est de la marque Nutrimetics, donc c'était l'huile d'abricot, donc qui servait vraiment à tout, pour hydrater quand on se cognait. Enfin voilà, c'est ce que j'avais du coup avec la marque avec qui je travaillais avant. Donc ça m'a duré vraiment très 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 longtemps. À racheter, bah du coup non, vu que j'ai plus l'occasion d'utiliser cette marque. Mais sinon, c'était vraiment au top. Ça servait vraiment à tout. Donc voilà. Hop, et ça se présentait du coup comme ceci. Mais du coup, bah je ne rachèterai pas puisque je n'ai pas l'occasion du coup de pouvoir en racheter. Voilà. Du coup, c'est terminé, mes deux bacs sont vides. Voilà, donc ça, c'est fait. Du coup, bah voilà, je vous ai présenté tous mes produits terminés. Donc là, je pourrais pas vous dire sur combien de temps j'ai amassé ça parce que ça fait un petit moment déjà. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. S'il y a certains des produits que je vous ai présentés que vous avez déjà utilisé, si vous les aimez bien, si vous les aimez pas et pourquoi. Voilà pour ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas également à le faire. N'hésitez pas également aussi à nous suivre sur Instagram. Donc je vous le mets ici à l'écran et dans la description. Voilà, et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao!